grand problème. Globalement, c'est un problème. Et comme le mec qui président MDVA, on y a le mouvement tout volé, Boulos. Boulos entré dans l'ONA, il prend 2 milliards 100 millions de gouttes. Et 700 millions là-dedans, il mettait dans l'hôtel qui est le Oasis. Il prend l'autre 700 millions de gouttes, il mettait dans le business machine qui est le Nissan. Il prend le troisième 700 millions de gouttes. Il mettait dans un business qui a un market qui est le Delima. Ça fait 2 milliards 100 millions. OK. Mais Jean, lui, prend pas bien dans l'ONA. Si demain matin, il fait faillite, il va avoir une goutte pour lui mettre l'ONA. L'ONA va casser des bagailles pour ça. Parce que 8 milliards de goutte pour l'ONA, c'est comme travailler qui est dans la factory, travailler qui est dans l'État. Et l'Assemblée, en fonction des débats qui fait ça dans le dossier ONA maintenant, il y a un bon problème dans l'ONA. Comme vous avez fait dans l'ONA, c'est pour vous permettre de travailler qui dans la factory, travailler qui dans l'État, capter l'ONA, pour vous faire manger à médicaments 30% moins cher. Nous prenons un problème, on va faire ça avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a un problème. Comme vous avez pris dans l'ONA, son corps qui pour vous mettre maquette avec pharmacie, comme ça, c'est pour permettre de travailler capter l'ONA, travailler qui dans la factory, travailler qui dans l'État qui a payé l'ONA, parce qu'il ne faut pas oublier, il prend un peu 12% sur chaque mois. Comme ça, il prête les gens, c'était les gens qui ont fait pharmacie à maquette pour que lorsqu'on a un qui a affilié à l'ONA, pour jouer un médicament 30% moins cher, pour jouer un manger pour avoir cher, il prend un problème, il va faire ça avec lui. Et vous avez eu un problème. Ou pas qu'à prendre un corps de travail, pour se gavotte comme ça. Ou prend comme là, ou dit que ou va monter market, ou va monter pharmacie, pour que tout le monde qui fait travailler l'État, ou bien travailler factory qui a payé l'ONA, qui a joué un médicament 30% moins cher, qui a joué un manger qui a marché à acheter à 30% moins cher, ou prend comme là, on va faire ça avec, ou elle fait business avec lui. Son problème, il y a même. Oui, comment il y a le pour la vie, mais mon bail qui fait qu'il là, qui n'est pas bon pour la démocratie. L'unité de lutte contre la corruption qu'on convoque son bagage qui n'est pas normal, parce qu'il n'est pas normal qu'on prenne comme dans l'ONA. Parce que quand vous prenez dans l'ONA, la raison qui fait que vous baoulez, c'est que vous allez monter un business qui permet que travailler à factory, à travailler à l'État, jouer un médicament à manger 30% moins cher. Ou pas faire. Ou prenez un problème, ou pas faire. Un business personnel ou monter. L'on a pris un problème, on va dire que c'est business personnel. L'on a pris un problème, on dit que c'est pour aller aider travailler, l'État et travailler, factory, capillé l'ONA. On prend un problème, on va faire sauter, on va le faire avec lui. C'est normal que l'ILC se convoque, ou il y a l'ILC se convoque, ou débarque à 300 Chinois qui ont fait violence. Comme si on n'a pas de droit à convoquer. Ou même si on prend un problème, l'État. Ça a passé hier, il crée un mauvais précédent. Parce que ça veut dire aujourd'hui, on est vous qui ne prenez pas l'État, et puis l'État convoque, le vous qui a débarqué à 300 Chinois qui n'ont violence, l'État va commander de qui prévient. Ça, c'est une menace qui est liée pour la démocratie, ça qui passe hier là. Non seulement les gens débarquent à 300 Chinois, les gens boulent les machines LCC. Avec dit que vous avez caponné, enquêté, cap défendre comme l'État qui prend mal. Elle dit que vous prenez comme l'État, vous n'avez aucun compte pour un. Mais vous allez à 300 Chinois, pas de monde qui a une bonne question. Il va bon pour la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Si un monde qui prend un poule dans mauvaise condition, non seulement l'État prend, il met en détention préventive, ou même qui vient de vous comme l'État à un moment, au lieu de répondre à une question avec un avocat, ou débarquer à 300 Chinois qui a fait violence. Ah, même pour moi-même, ça passe hier. Lui rappelé, par exemple, les juges qui ont convoqué Aristide dans l'affaire Lamborg en 2020, il dit pas mettre pied. Finalement, l'aile met pied le débat qu'on pas qu'être chimère qui a menacé le juge. Nous ne pouvons pas construire démocratie avant ça. Démocratie, alors, on ne peut pas faire mal par rapport à l'État. L'État convoque, que le commissaire gouvernement, ILTC, YCREF, SALTEA, juge d'instruction convoquant, ou déplacer ou aller avec avocat. Il y a des gens qui font ça, on ne nèg qui dans l'État, moi, vous convoquez, vous n'avez pas de bac à chimé. Ou pas qu'il y a des gens qui ont acquis dans l'État, vous n'allez pas avec avocat, vous n'avez pas de bac à chimé. Mais vous, vous deux nèg dans la société, vous présentez tête comme des intouchables. Dans la démocratie, pas des intouchables. Dans la démocratie, pas des intouchables. Ça passe hier, c'est comme si c'était des intouchables. Il n'est pas bon.
Yo ka men tout moun men ou men yo pa ka manon. Yo pa ka konvoko. Alors que comme l'État nan moun tout bon. Et tout moun tande radio, le débat a fait entre ou men et Newton Saint-Just. Tout moun ouè son kobobran pour albay travaye l'État et travaye factory, manger à médicaments 30% moins cher. Ou pren kobla, ou pa fè sa avec lui, ou al fè business with you, son problème lié. Son problème qui est lié. Quel que soit moun, depuis l'État convoqué, ou pas mal pour habiller à l'avocat. Mais je tiens depuis qu'on voit qu'on est conseil des nègres dans la société, depuis la justice qui crée, et elle s'est convoquée, moi, il y a même ça, trois confinés qui ont fait violence. Avec l'on fait ça, ou confiné qu'on fait bagage, pas ça, c'est moui, et nous sommes pères. Ah, mon mec, c'est ça, mais ça ne passe pas, mais il va vous ouvrir. Ok, nous allons finir là, vous nous prenons, auditeur. Qui dernier jour gagne sous question électricité là? Sous qui ça? Électricité là. Bon, moi, des progrès qu'a fait, et il y aurait bah, l'électricité au cap, pour tout point l'électricité a commencé à reprendre. Et l'État a signé un contrat avec une plus grosse compagnie mondiale qui est le General Electric, dans l'affaire électricité. Je signe un contrat avec Turquie, qui a boué deux bateaux courants. C'est juste une bateau à plonger et tout le monde est courant. Et ça permet l'État de travailler qu'il doit faire pour que l'électricité arrive 24 sur 24 là, deux bateaux, ça permet l'État d'avancer plus vite à travailler qu'il doit pour le faire. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de sabotage dans le supérieur des comptes, parce que nous, on est qui compte l'électricité 24 sur 24 là, nous avons bloqué dans le Sénat pendant 3 ans et demi, nous avons bloqué 150 millions d'euros dans tout. Le premier côté bloqué, c'est dans votre budget. Le deuxième côté, après 3 ans et demi, vous êtes bloqué à faire courant, c'était 950 millions de taïwan. Quand l'État a commencé pour août en janvier, il y a des sabotages internes qui sont faits dans l'EDH. Mais vous avez dit que vous voulez saboter l'EDH et dans votre presse. Il y a 3 moteurs tout neufs, l'État a voulu au CAI, mais vous avez saboté pour que le moteur va installer. 3 moteurs tout neufs pour Tigouave, mais vous avez saboté pour que le moteur va installer. Saboter le moteur Gonaïs et le moteur au Cap, son façon pour montrer que vous même les sujets n'étaient là, vous avez courant, c'est pour ça que vous avez fait sabotage dans l'EDH. Même moi, que dans l'État, il y a des dispositions qui prennent pour camper sabotage ça. Et nous, il y a des techniciens qui vivent au Cap, qui commencent à faire travail là au Cap, et il y a des résultats qui commencent à faire. Les techniciens ont géré tout. Donc moi, l'EDH commence à lever pied, mais il faut continuer à faire attention avec sabotage, même vous black out. Mais ça a eu 300 millions de dollars américains par année. Nous devons voler dans l'État pendant 13 ans. Mais ils voulaient comme ça continuer à vivre. Donc, ils vont continuer le sabotage pirate. Ouais. OK. Bon, nous allons prendre un coup de pause. Nous allons retourner. Nous allons tourner avec l'auditeur qui va aller dans 2945 92 92 1 201 380 92 92. Yo même pour faire ces échanges là avec, si vous avez une question à poser, si vous avez de préoccupations, il a expliquer après ça, Sandré a répondu à faire et échange là avec eux. On prend un coup de pause, ça nous mettre sous les nains après tourner. Et par exemple, si jeune nous t'a dit à son congrès, c'est jeune nous même qui t'a prendre l'initiative là. Côté parlement jeune, côté gouvernement jeune qui te gagne. Bon, mais ce jeune ça, un jour, je vais me donner l'interview dans la radio pour la parler, pour lui chercher, pour lui chercher là. Non, Akae. Oui. Non, pas faire ça. Parlement jeunesse, ça, initiative ça toujours là parce que je ne toujours pas la veille. Initiative ça toujours oui, là. Parlement jeunesse. Moi, je me contente de parler, vrai, même pas sentir monsieur, je ne pas sentir parlement comme si bon bagaille l'a fait. Moi, je pense que monsieur Charles t'a travaillé, bon bagaille sérieux. Faut pas symbolique. Finalement, il prend PIA pour mettre PIA à son rail. Parce que PIA, qui ça, monsieur Charles a fait? Ouais, bah, moi, je suis un homme qui voyage en pile, sans entendre dans un pays différent, c'est bien. Mais concrètement, moi, je n'ai pas senti qu'il y a un groupe de jeunes vraiment à travailler pour le chemin. T'as étudié, t'as préparé. Mais moi, je n'ai pas que le jeune pays a été au travail parce que j'en dis encore. Donc, les 60 ans, les 80 ans, ils ne sont pas cadavres. C'est eux-mêmes qui vous voient relève.
Donc, ma priorité là, parce que c'est pour intervenant que mieux, je souhaitais que Stanley pour Kimbidjam, et pour ça qui a un rapport avec l'interpellation qui était faite et toutes les autres qui faites, c'est normal, c'est normal. La justice, les citoyens, eh bien, après citoyen, la mec qui prend pas qu'elle avec avocat, lui pas être, mais laissez bandit. La justice interpellée, un miroir pour bandit, il cherche un groupe bandit pareil pour faire avec. Donc, il est clair, de combien l'ambassade parle, mais en pile des autres qui ont fait l'ambassade pour beaucoup. La dame, parce que les gens ont fait le bagage du Saturne. Donc, c'est bon week-end, je dis. D'accord, sans lui. Bon, moi, remercie l'auditeur ou moi, on sait deux points-là qui sont importants et par rapport à l'avenir de la jeunesse. Premier, bah, ma vie, c'est que. Chiffre tant de la radio, yo, yo pas bon encore. OK? Nous pas 11 millions de monde. Les instituts haïtiens des statistiques, ils disent nous 13 millions en Haïti, Koubia. Pas 11 millions de monde en Haïti. Donc c'est pour mes barres que je connais. Donc nous 13 millions, il y a 7,7 millions qui viennent moins de 30 ans. Donc, l'on parle de l'université A, et pour qu'ils aient une université d'État, et c'est pour créer une société A, ça relève. Égalité des chances. Ça veut dire que mon petit monde qui favorise, défavorisé par rapport à moi, mon gars, pas connu, mais parce que vous faites effort, vous voulez dans l'école l'État, vous entrez dans l'université l'État, et bien, vous avez un diplôme qui permet tout, sauter dans le malheureux, ou monter dans la classe moyenne, et demain matin, vous avez un bourgeois. C'est ça, vous avez mobilité sociale dans la société. C'est la société à mettre un système économique et un système social. Système social là, accès à l'éducation, accès à la santé. Système économique là, moyen pour joindre un travail, moyen pour faire crédit, moyen pour bailler service en fonction de son gain en tête tout pour toucher dans la société. Là. Donc, dans ce sens-là, l'université a, il y a deux rôles fondamentaux qui depuis 1994 qu'elle n'a pas joué, l'université d'État. Premier rôle fondamental là, c'est by chaque jeune d'entrer dans l'université d'État une formation qui permet de travailler les ou diplômés. Okay. Depuis les ou dans l'université d'État, ils travaillent comme nous faisons les internship et puis les ou diplômés, ils viennent employer, travailler tout bon en fonction de ça. Curriculum qui gagne dans l'université d'État, curriculum nous a éduqué. Toutes ces matières qu'on apprend pendant plusieurs années, il y a des domaines, c'est 4, il y a des domaines, c'est 5, il y a des domaines, c'est 8 ans, par exemple, pour une docteur. Curriculum, non, ça veut dire que toutes ces matières qu'on doit apprendre, eh bien, l'autre curriculum université d'État n'est pas adapté à la réalité du 21e siècle. Pour que ta curriculum université d'État n'est pas adapté à la réalité du 21e siècle, c'est que les dirigeants qui ont fait l'université d'État depuis 1994 ont manqué de qualification. Deuxième bagage que vous gagnez, c'est que vous avez pile professeur quand vous avez l'université d'État qui a fait coup. Il n'a pas fait coup par rapport à la réalité 21e siècle. Il a fait coup par rapport à la réalité 20e siècle qui est passé. Donc ça veut dire que si bagage qui a pensé aujourd'hui à pas correspondre à la réalité siècle vivant, la difficile pour jeunes faire compétition à l'autre nation. Deuxième bagage là, c'est que l'université d'État sont lieu de réflexion que lieu. Avec dit que si c'est un monde qui est en politique, et en de l'université d'État, il faut un professeur qui a enseigné les idéologies politiques contemporaines, ou comme ça, ça veut dire le communisme, ou comme ça, ça veut dire le socialisme, ou comme ça, ça veut dire le conservatisme, ça veut dire le libéralisme, etc. Ça veut dire qu'il faut que y ait des idées contraires qui frappent tout le temps, c'est pour ça dans l'université. Pour jouer toutes les idées, ça veut dire qu'il y a un format qui permet de voir tout concept qui existe dans le monde là. Depuis 1994, un petit groupe anarcho-populiste qui prend l'université en otage, tout le monde qui a une compétence à faire outil. C'est une grande idée qui est présente. C'est l'idée anarcho-populiste qui est présente dans l'université. C'est pour ça que les étudiants, au lieu de prendre temps pour étudier, apprennent toutes les idées, tout concept qui existe dans le monde, là, pour nous garder même matin qu'à faire comme, ou est-ce que l'université d'État a dégradé de 1994 à nos jours. Donc, en de l'université d'État à tout, ou t'as agréé, par exemple, dans la faculté d'agronomie, tout gros professeur, non seulement il a fait coup, mais il a agréé leur responsabilité. Il y a ça dans toute université dans le monde. Là. Pendant qu'on a fait coup dans la faculté d'agronomie comme professeur, eh bien, c'est normal que
faculté d'agronomie sorte son document pour faire des recommandations à PIA sur la production animale. Qui j'en pour produire poule, qui j'en pour produire cabri, qui j'en pour produire bœuf, comment pour produire poisson, qui j'en pour produire vœu. Mais je ne vais pas faire réflexion stratégique ça pour PIA. Faculté d'agronomie, t'as dû sortir un papier, comment augmenter la production nationale en Haïti. Son papier sous maïs, son papier sous banane, son papier sous pois, son papier sous patate, son papier sous pommes de terre. Tout ça nous a produit. Font document de réflexion stratégique pour dire agriculture pays noir, pour nous faire moun faire comme, mais qui ça pour nous produire pour la consommation nationale, mais qui ça pour nous produire pour l'exportation. Mais qui côté nous ka produit dans qui zone, mais qui ça nous a produit, mais qui j'en pour nous produire, mais qui j'en nous a augmenté la production. Ça va faire des papiers comme ça. Pendant faculté des sciences, il a dû faire des réflexions sur les infrastructures du pays. A indiqué qui infrastructure pays a besoin pour développement. Combien de kilomètres de route par an? Qui côté pour construire route? Combien de conduits a coûté? Combien de ponts que pays a besoin? Qui type de caille? Faut par exemple dans la faculté ça, il a été développé un caille que c'est Haïti développé qui a résisté à un tremblement de terre 9.0. Il a venu avec trois modèles caille. Un caille qui sont malheureux qui a construit là un petit budget. Un caille classe moyenne qui sont des moyens de moyens. Un caille bourgeois. Mais on développe un modèle de société pour dire que comme son pays n'a pas de tremblement de terre là-dedans, dans 200 ans qu'il vient, mais ça nous doit faire, mais qui nous doit battre la caille. Et puis travailler à mairie pour monter génie municipal dans chaque mairie, pour que les malheurs pour ce caille-là, ils respectent les règlements pour demain matin, les bons tremblements de terre ou bien on cyclone catégorie, c'est caille-là pas une craser dans le monde, ou pas nous laver mes filles à terre. Et ça qui est des sciences faire réflexion stratégique ça au bout pays. Quel type de communication que nous besoin? Cabo qui vous banne internet, bonjour téléphone, ou même qui sont traînés là pour téléphone ou pas couper. Tout sont en partie normalement. Ok? Mais nous va faire réflexion stratégique ça. Donc, si on se dit en matière d'université, nous parlons université d'État. Université d'État, je dis à ce que vous quatre grands campus universitaires qui chaque 4 ont 35 000 étudiants. Donc, 4 fois 35, vous avez combien de baou? Donc je dis à Olivier Université, tu as bien quatre grands campus, chaque campus, une dans le nord qui prend 35 000, une dans la Tibonite qui prend 35 000 et le plateau central, une dans la zone ouest là qui prend 35 000, une pour le grand sud qui prend 35 000. Je dis à l'ordre de toute université d'État, pas qu'à prendre 15 000 Timoun, alors que nous avons 50 000 capsules de baccalauréat. Ça veut dire que depuis 1994, l'université d'État n'est pas gérée. Elle n'est pas administrée, elle n'est pas dirigée. D'accord. Ça, faut nous bailler. Dernier point. OK? Moun qui vient comme vous, dans la chambre de commerce, et chambre de commerce et d'Haïti, chambre de commerce haïtiano-américain, chambre de commerce franco-haïtien, moun ça a doit réfléchir sur la politique économique du pays. Dans quel domaine vous allez investir pour nous créer un travail pour 7,7 millions de jeunes? Mais qui ça nous produit dans le pays pour nous créer travail pour 7,7 millions de jeunes? Non, bourgeois, pas ça. Majorité bourgeois, c'est des bourgeois volés qui ont pillé l'État dans l'électricité, qui ont pillé l'État dans la douane, qui ont pillé l'État dans le dollar, qui ont pillé l'État dans l'importation. Donc, société que nous devons organiser pour les jeunes en matière de la politique économique à travers les chambres de commerce, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, à travers l'Université d'État qui a fait réflexion stratégique, qui a fait des jeunes formation pour l'avenir. Et organisation société à Paris, on a besoin de 7 millions de jeunes. Ok, Sandy. C'est résumé, allez vous permettre. Parce que Mounio Souline, longtemps là, attend. Est-ce que vous avez un là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, et c'est pas ici, c'est un peuple, l'imaginien, qui tendait, qui des oreilles, mais il n'y a pas tendu. Il y a des yeux, il n'y a pas ouais. Parce que, si le peuple là, il y a eu la torse, il y a eu un comme, là, on a, juste à être peuple là, déjà, il y a eu des satisfactions. Bon, mais, moun ça, c'est comme ça, il n'y a pas de sourire. C'est comme ça, oui, sinon, mais oui.
qui veut dire que kounia là même dès le malheureux ça qui travaille dans facture même dès là ça peut prêter 1000 dollars joindre dans l'ona non et donc c'est on seul mon aller lever plus fort et donc c'est kounia même même nèg ça petit et maman yo ça travaille oui besoin que pas rien prêter et tandis que comme là non mais oui et donc c'est même égaré ça yo cal relé qui cal bouler machine Non, au bureau. Bon, je veux dire que moi, la question m'a posé peut-être, mais lui, c'est haïtien, juste moi-même, pas qui ça me dégage. Parce que, si par exemple, on me fait grosse action, ça, et qu'il y a quelqu'un qui me dit, là, où est-ce que c'est pas un bon peuple? D'ailleurs, là, imaginez au bureau, si mon nom, lui, point comme là, c'est à fait privé, la régler avec elle. Et donc, que mon nom, mes affaires, mes affaires, tout le jour, les gens, ils nous consacrent. Je prends comme là sur yo qui ça au qu'on est dans l'eau nappe on a prêté même 2000 dollars pour qu'ils viennent yo c'est parce que problème dans mes monde c'est parce que même monde ça c'est même va bouler machine dans bureau si et puis si tu va bouler machine dans bureau juste pour la dedans mais même c'est là ma pour si on l'état sérieux vous pas de rien pour faire pour monsieur c'est arrêter pour arrêter parce que en réalité ça la fait abonder c'est un travail la grave bagarre là mais là imagine bien pour on est bon ça où est-ce que tout ça qu'on fait dans pays à mal où est-ce que les gars veillent tout les gars baillent les gars pour on les bagarre où est vraiment et par le gouvernement où est-ce que c'est dans les gars qui ça où est-ce que commissaire gouvernement a pointé tout ce dossier ça pour est-ce qu'il n'est qui mérite fort dans pays à qui n'est pas mérite fort parce que n'est pas Bon, moi remercie auditeur Descouillé, OK. Premier bain dans auditeur à comprendre et tout auditeur comprendre. Bien ça les des lois qui existent dans pays là sur la sécurité sociale, OK. En fonction de loi ça yo, ou même qui dans factory, ou même qui dans la rue ou travail et ou dans secteur privé ou travail, ou dans factory ou bien dans l'état Chaque fois qu'ils font chèque, chaque mois, l'État prend un comme sous, il met le nona. Il représente à peu près 12% chèque qu'on touche. C'est 12% chèque ça, sous chèque ça qui vous prend chaque mois, qui fait que là ou même comme employé factory ou bien employé l'État, ou fin passe 50, 60 ans de travail, ou pas qu'à travailler encore. À travers politique de sécurité sociale ça et comme que on prend on met dans l'honneur pour relier ça comme sécurité sociale comme de retraite travail c'est lui pas permettre l'état vous un chèque chaque mois baou à partir de 60 65 ans l'on pas travailler encore et puis jusqu'à ce qu'on mourir qui permet de vivre on la vie grand monde décent OK Ragan ça qui dans l'honneur qui c'est comme travailleur Il représente 8 milliards de gouttes. Si l'on a ta retraité, l'on a ta retraité, travailler et moun côté sa rentable. 8 milliards de gouttes qui dans l'on a, ce n'est pas l'argent bourgeoisie qui est lui. Voir pour dire l'argent bourgeoisie volé. L'argent qui dans l'on a, ce n'est pas l'argent politicien qui est lié. C'est l'argent travailleur qui est dit, qui suit. C'est l'argent moun sa yo ke liye. Donc 8 milliards de gouttes dans l'ona et moun sa yo ke liye. Moun ki soue dans factory, moun ki bourrique dans l'état. Et quoi vous connaissez? 8 milliards de gouttes pas comme bourgeois, il pas comme politicien. Donc l'on est tant qu'au régional boulot centré. Il prend presque 3 milliards de gouttes dans l'ona. OK, son rue décrit prend 2 milliards, 100 millions. On l'a trouvé de semble dans la matale pour on l'a 450 millions. De gouttes. Et Jean Bagay la signé, c'est pas même prêté le prêté à 3%, non? Et donc, l'on a associé avec lui, s'il fait faillite demain, il va vous goûter pour le remettre. On va faire ça comme travail. Où il y a Negona Mathieu qui vient jouer la donne, comme qui a demandé, c'est pour te faire business. Je demande comme blanc. C'est parce qu'on dit que tout le monde qui est affilié à Moulin, ça veut dire travailler factory, travailler qui dans l'État, il va mettre un bagage en place qui permet de travailler ça, qui a acheté médicaments 30% moins cher et qui a acheté manger dans l'arrière 30% moins cher. C'est pour ça qu'on va au cobla.
C'est pour ça qu'on demande comme là. Et c'est pour ça que l'ONA a prouvé comme là. L'ONA a prouvé 770 millions de gouttes pour Negyo. Tenez bien. L'État a prouvé 770 millions de gouttes pour Negyo. Pour Negyo, tu as mis ton système en place côté. Il y a pour un business pour que le travail factoriel ou le travail l'État a déjà acheté les médicaments, l'acheter le 30% moins cher. Le besoin d'acheter manger, l'acheter le 30% moins cher. Mais il y a un problème, il n'y a pas rien avec lui. Ou pas qu'à faire des bagages comme ça à l'argent travaillé. C'est comme de retraite travailler qui est lié. Donc l'offre de 770 millions de gouttes dans l'ONA comme travailleur, ou à gagoter comme ça, il est tout à fait normal que l'unité de lutte contre la corruption qu'on vous demande de qui prévient. Donc, si on n'a pas fait un lien qui ne pas débarquer dans l'ILCC avec 300 Chinois à bout les machines ou bien intimider, enquêter, qui a fait travail l'État sous corruption. Au monde qui est dans la démocratie ou respecte l'institution de l'État, ou pas dans la corruption, tout bon, là, on convoque ou débarquer avec avocat ou pas débarquer à 300 Chinois. Et je dis à vous, c'est des nègres dans la société. Chaque fois la justice, l'État convoqué pour des bagages qui ont fait qui passent, n'est pas débarqué à 300, à 500 chimères. Nous ne pouvons pas construire une société démocratique comme ça. Bagages, ça n'est pas acceptable, pas démocratique. Donc, mes amis, bagages, ça, ouais, ça passe réel, il grave en pile. Parce que vous convoquez, vous débarquez à 300 chimères qu'elle fait menace sur l'ILCC, qu'elle moule les machines et unité de lutte contre la corruption. On est à qui déjà faible, qui n'a pas les moyens d'acheter des machines. Ou pas qu'à faire des bagages comme ça. Et vous faites des nègres dans la société, depuis vous finissez tous les monde, mais vous finissez voler comme l'État et la trier, la justice pas qui doit convoquer. Depuis la justice convoquée, le débat à 203 chimères, est-ce que son société comme ça nous voulons bâtir ou bien nous voulons bâtir une société démocratique pour tout le monde bien chassé. Mes amis, c'est nous-mêmes qui attendons là, nous répondons, mais on va dire certains, 8 milliards de gouttes qui sont dans l'ONA, ni pas l'argent bourgeois volé, ni pas l'argent politicien. C'est l'argent travaillé, factory, qui finit réduit pendant 30 ans en factory, 40 ans en factory. C'est l'argent travaillé, l'État qui finit bourriquer pendant presque 40 ans. L'argent au chauffeur, l'argent employé, l'État, c'est l'argent Mounsao gagné. Et j'ai dit, t'es à ce dit, Mounsao gagné de l'air comme besoin, prêtons 1000 dollars, on va prêter, malgré au bail caillot comme collatéral. Et puis l'idée, politique corrompu avec bourgeois volé à piller comme l'État. Bagaille, ça n'est pas normal dans la société. Là. N'a pas l'autre monde. Allô. Bonjour. Bonjour technicien qui sont à contrôle là. Bonjour Sony, bonsoir. Bonjour Stanley. Oui, bonjour. Moi, je pense que Yuri Latonti, il commet un capital erreur. Américain a dit un big mistake. Il n'y a pas de bruit son bagage comme ça. Et psychologiquement, l'EOA peut analyser lui. Ou par exemple, tout bandit ça, tout tiré à gaz ça, tout cacheur ça, ça démontre qu'on peut comme vraiment. Et puis qu'on prenne vraiment, ou signer, ou faire faux signer du moment où elle prenne, pour détourner. Parce que le comportement politicien, il s'est affiché, il n'est pas bon même pour jeunesse là. Et c'est ça que c'est. Depuis 1986, où un pays, où un jeunesse, là, en partie là-dedans, on a quitté ça. C'est la transmission intergénérationnelle des mauvaises affaires que grand monde fait souterrain, qui n'est pas bon. On pense que la politique, c'est l'organisation de la cité. Bah, justice, un chance-li. Bah, pays, un chance-li pour organiser. L'autre, c'est bah, comme ça, ou désorganiser la cité. Parfois, on a demandé, est-ce que politiser ça, yo? Pas des problèmes néo-psychologiques. Est-ce que maillot bon? Est-ce que c'est l'huile grise politique, ça a fonctionné normalement? Pour que ça, c'est cerveau émotionnel qui primait sous cerveau rationnel. On pense que situation ça que nous vivons aujourd'hui là, parfois m'a demandé et m'a regardé intellectuel, m'a regardé des politiciens qui finissent sous terrain. Est-ce que nous parlons de faire appel à matière grise qui n'a diaspora haïtienne, non. Bien que dans pile là d'ailleurs qui n'est pas bon vrai, mais cependant, ce sont des professionnels qui respectent l'éthique, ils voient comment un pays organisé, et qui respectent l'itinéraire scientifique, qui je peux vous faire bagaille. Mais pour finir, il y a un temps qui est dans les locations, donc quand il y a un droit,
Monsieur Pata doit agir ainsi. C'est un modèle pour la société. Est-ce que Haïti connaît des cruel ou des cruel? Vous pensez que la situation n'a pas de questions posées pour vous-même. Merci de le revoir. Bon, moi remercie ou fait des points très intéressants. Elle dit que sous son docteur en droit, ou son ancien sénateur de la République, ou ses anciens présidents commission anticorruption Sénat, ou nous un modèle pour société. Elle dit que le convoco, les dossiers qui concernent, en général en démocratie, c'est comme ça. Nous accusons un bagaille la gagne se mentir, bagaille la se vérité qu'il y a. OK? Donc, comme docteur en droit, ancien sénateur de la République, ancien président de la commission anticorruption, on connaît que les convocations ça a fait, sous besoin de respecter les règles démocratiques, ou descendre avec deux, trois avocats pour gagner, ou aller répondre à la question pour gagner pour répondre. Après ça, si vous suivez tout fait, et vous regardez, est-ce que l'accusation qui fait sous le réel, ou bien est-ce que l'accusation qui fait sous le c'est mentiqué. Mais lorsque vous descendez avec 300 chimères violents, kap fè menas, ki gen zam sou yo, kap moule machine l'État, moule machine et unité de lutte contre la corruption, ou ba yon mauvaise perception de ou nan société a. Donc, même nan sens sa, m'y d'accord avec l'auditeur. Elle dit que, dans toute société démocratique, ken des accusations qui fait. Et puis, les accusations qui fait, nous va regarder est-ce que les accusations qui fait là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est menti. Donc, les gens société démocratique fonctionnent pour démontrer si accusations réelles ou bien si menti. Donc, moi-même, ce n'est pas ça que c'est là. Hier, c'est 300 bandits qui débarquent l'autre bord, viennent faire menace sur enquêteur de l'unité contre la corruption. À l'issue de les juges qui vivent qu'elle est à Brésil, convoquent dans l'affaire Lambert Jean-Dominique. Et ça montre que, est-ce que le pays a construit une société démocratique dans le mode de fonctionnement ça? Parce que la société démocratique, là, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. OK? Depuis la justice qu'on veut, qu'on chef, qu'on pas chef, qu'on moune la ville, qu'on moune la monde, qu'on rien comme, qu'on pas rien comme, c'est descendre avec avocat et puis on parle des dossiers. Si dossier, bien ça passe à la dedans, la justice observe avec vous. Si dossier, pas de problème, on peut retourner la caille, tout le monde a pour être, c'est que tu as raison. Mais lors de débat qui est devant l'institution, à 300 chimères, bandits violents, camboulés, t'as crasé, brisé, on voit un mauvais message, une société a, et soit fait modèle. Que auditeur se dit là, il y a une raison à 100%. Bon, l'autre monde. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Qui vous attendez? Bien fait. Moi, je salue Don Elika. Moi, je salue M. Sony. Et je salue tout le panel là. Nous comprenons que Don Elika a sauté un bagage là. Et oui. Alors, c'est moi, M. Negla Tibonis. Si oui, tu as fait un bagage, c'est un sénateur de la République. Tu as fait un bagage, tu as fait l'intérêt de la Tibonis. Ce n'est pas un bon problème, non? Tu as fait l'ensuite, ça va avoir un problème toujours. Mais est-ce que là, tu as pris l'argent ou non? Tant qu'on a autorité, ça, tu as pris l'argent ou non? Est-ce que vous me poser une question? Qui Jean Yobal distribuer l'argent au NASA dans le business Yobal faire? Ok. Mais c'est un bon pays, tout soit fait. Ou si vous mettez le sous contrôle, en tant qu'un pays qui a un président, qui a un conseil des ministres, si vous mettez le sous contrôle, si la gare, elle tape un cobble là, il était dans le gouvernement Jovenel là, c'est après Jovenel, il t'a réglé. Jovenel va mettre dans l'esprit que Negla t'a pris un cobla pour lui dire qu'il va mettre contrôle sur cobla, qui ça Negla t'a pas le faire à cobla. Je dis à Sylvine prendre, qu'elle soit à côté de l'aller avec elle. Ce n'est pas le moment pour appeler Negla. Pour dire après les Negla, non, et soi-disant, et dans la justice. Pour venir et parler de cobla. Mais ce n'est pas celui qui est là. Moi-même, pas pour Yuri, non. Et pas question pour Yuri, non, parce que Negla, c'est pour dire. Parce que. Allez, alors. Oui, on met pas tant d'eau faire. Parce que dans la Tibonite, pas ça que dans la Tibonite, m'a quand même déca wala n'en parler pour y rien dans sens ça va ça. Mais je dis à là tout, m'a fin d'accord tout. Mais on est pour citoyen juste. Après tout n'importe comment, même gens tout, sans l'éducation citoyen et tout, ta comprendre les glaçons on bagaille qui pas bon.
même pas d'accord tous les n'a dit mon c'est chimé non dit mon c'est ici cette paye LCC à l'autre joie que mon machine qui doit bouler là qui doit c'est mon LCC bouler c'est mon gouvernement bouler comme ça qui doit c'est mon New York bouler tout mais même gens que citoyens tout qui n'a pas mis mon New York mais tout dans gouvernement tout monde qui dit c'est dans la justice et tout en plus vagabond là dedans tout parce que moi pas ça qu'a fait dans pays c'est comme ça son pays qui va aller comme ça moi même temps je sais les cas en question tout juste pour allô mon frère on fin parler de gajou on attendait ou d'arrêt me poser sur les tout mon quoi ce sont citoyens et tout n'ta bien content pour m'ta on qu'on a plus bagaille tout non plus bagaille dans pays dans infrastructure non on sait des bagailles moi qu'on a plus bagaille moi qu'on a plus bagaille dans infrastructure dans économie non pas quelque bagaille mon on même dans les vidéos mais on gagne quelques notions là-dedans parce que nous senti on connaît qu'à parler mais je moi parler à toujours on va gagner du temps parce que pour attendre chaque jour pas même pour faire du temps même pour voter on correction avec mon gouvernement ça là parce que nous senti bon accès avec un pouvoir pas dans le pouvoir non mais on voit accès à pouvoir ou qu'à parler à président même temps on vit pour voter en correction parce que moi soit dio qui en plus ba ou dio même temps on vit pour voter en correction mais et c'est ça m'a dit je dis là bien content pour ta on qui soit capoté avec mon gouvernement en titre crété là je dis là OK. Et merci auditeur et d'escouler, ok? Quel que soit le monde qui vient là, dans l'État dans le monde, là, nous carrément pour poser des questions à n'importe qui est. Pour supérieur des comptes, car convoquons, unité de lutte contre la corruption, car convoquons, une crève, car convoquons, commissaire gouvernement, car convoquons, direction générale, Côte-Oual Grand Cobla, car convoquons, ministère Koal Grand Koblan ka konvoko. Ok? Nous connaissons ensemble de Koban dans l'État qui disparaît, nous allons être tellement ici. Il y a des Kob qui dépensaient, nous partons dans Kob qui volaient. Nous connaissons ça. Il existait dans l'ONA, il existait dans le ministère financier, son GIF, président avec Sniko Port de Paix, des nègres qui montent en raquette dans l'État. Nèg yo fait des chèques dans le ministère finance de 5 millions de gouttes. Et puis, l'on a regardé les chèques là, en réalité, nèg yo c'est 50 millions de gouttes de toucher. Nèg sa yo gen en bas, contre le pénitencier national. Le président en parle de hier, nèg qui en de l'éducation nationale, qui t'a crasé comme l'État, yo arrêté yo. Donc, ça veut dire que, moi-même, avant nous connaît que, gagne 1 milliard 800 millions de dollars américains qui dépensaient dans Petro-Caribe pour faire 398 projets. Il y a 1 milliard 800 millions qui dépensent pour faire 398 projets. Il y a un projet qui fait. Il y a un projet qui commence et pas fini. Il y a un projet côté comme la dépensé. Le projet n'a pas fait du tout. C'est sans compagnie privée que c'est voir comme ça. Nous connaissons comme qui volait dans le domaine ça. Nous connaissons comme qui volait Téléco, comme coopérative. L'argent fonds de pension l'argent fonds de pension Téléco, employé Téléco. 30 millions de dollars américains sont mouns qui volent. Tout le monde s'est doué, la justice s'est doué. Et vous savez, moi-même, mal à l'aise, moi, je dis, ouais, on a fait des lits contre la corruption, moins pour lui à 300%. Mais nest qui veut politiser pour faire coup d'État, nest ça pas pour un pays à service. Son forme, on est dans le pays à. Vous voulez que lutte contre la corruption vienne en réalité en dedans pays d'Haïti, son grande pression pour faire toute la journée pour dire, demander juge d'instruction, dans tout point dossier à aller au cabinet d'instruction. Probablement, l'on dossier entré dans le cabinet d'instruction, juge l'on gagne 2 mois pour le traiter. S'il n'est pas capable après 2 mois, il va demander un mois additionnel. Il y a des dossiers qui sont dans le cabinet d'instruction depuis 1 an, il n'est pas normal. Donc, dans ce sens-là, il y a un travail qui doit être fait dans le pays. Donc, moi-même, je dis,
pourquoi que nous avons consensus? Consensus, c'est que les bons négociants, une série de politiciens frères, depuis après près de 10 ans, nous avons pillé l'État. Les sénateurs de la République qui entrent dans l'ONA, nous prenons 20, 40, 60, 80, 100, 200 millions de goudins dans l'ONA. Ça y est, comme collatéral là, pas collatéral tout bon. Ça y est, au PEA, nous avons mouru avant même. Avant même que vous payez l'ONA. Est-ce que nous avons les bail dans la société? Donc, est-ce qu'il y a nécessité pour faire un audit ONA? Absolument. Est-ce qu'on a nécessité pour le peuple à connaître comme travailler qui dans l'ONA qui s'est capable avec lui? Absolument. Ce n'est pas un affaire de Yuri seulement. Bagaille Yuri a une bonne dimension, parce que là, il y a une discussion non radio qui est le scoop avec Newton et Saint-Just. C'est pour ça que, et puis on a la discussion publique, tout le monde dit au courant, c'est tout à fait normal que l'institution de l'État qui concerne nous fait suivi. Où il y a l'ELONA, il y a un veto, l'ILTC invito, voilà avec deux, trois avocats qui répondent à la question. Où il y a bandit qui n'a pas parlé de là après, qui est sous vidéo. Debout un camion qui est venu avec nous, qui est venu avec camion. Vous regardez la vidéo, camion qui a débarqué nous. Et puis, on regarde des vidéos de qui moun kap boule machine. Tout ouè, c'est chimè qui n'a pas payé pour venir mouler. Ça, chimè professionnel, bandit professionnel, mais qui fait professionnel de la violence qui est venu. Et pas citoyen, et pas moun qui faut filer